voilà dans le beau drap. Comme si c'était pas suffisamment difficile d'avoir Pinocchio dans notre housse, on doit aussi échapper à Metal et Temon maintenant. J'avoue que pour une fois, t'as une bonne raison de te plaindre. J'ai toujours de bonnes raisons de me plaindre. En plus, je dois avouer que tu m'as impressionné tout à l'heure quand tu as soigné Ogremon, alors qu'en plus c'était un de nos anciens ennemis. C'est aussi Mimi qui a fait le premier pas. Puis j'ai fait qu'appliquer les premiers soins. Comme on est beaucoup de médecins dans la famille, j'ai quelques notions. Ça doit être très utile de pouvoir soigner dans des situations comme la nôtre. Tu l'as dit, Gomamon. D'ailleurs, la dernière fois, je t'avais fait l'inventaire de matériel à avoir sur soi en condition de survie. Mais avoir de quoi se soigner, c'est aussi primordial. Dire que je pense à autre chose quand j'ai vu ce papier toilette. Oui, enfin, j'ai un peu fait avec ce que j'avais sous la main, mais c'est toujours très utile d'avoir de quoi faire des bandages et des pansements. La meilleure option, c'est d'avoir une trousse de secours. Et qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Eh bien, on peut y mettre des médicaments, des sparadraps, des compresses, des antiseptiques, des gants, une paire de ciseaux, un thermomètre ou de la crème solaire. On dirait que tu pars en vacances. Et c'est quoi ça? Insecticide. Quelque chose me dit que tu ne devrais pas montrer ça à Tantomon. Laisse-moi terminer, Gomamon. Et attention à ce que tu touches, tu vas te piquer avec le nécessaire de couture. Oh, Joe, tu te mets au tricot? Tu me fais un petit vêtement, c'est ça? Trop mignon! Mais non! C'est pour pouvoir recoudre des plaies si on a des entailles trop profondes. Mais j'espère qu'on n'aura pas besoin de s'en servir. Ceci dit, c'est toujours bien pour recoudre un vêtement aussi. J'ai du mal à t'imaginer faire ça. Ceci dit, ton frère disait que tu t'évanouissais à la moindre vue du sang alors que tu as su garder ton sang-froid avec Ogremon. Tu ferais un bon médecin! J'en suis pas très sûr, Gomamon. Mais c'est vrai que ça me surprend moi-même. En tout cas, il faut jamais attendre pour soigner une blessure au risque qu'elle s'infecte si on ne la traite pas rapidement et correctement. Lorsque ça saigne beaucoup, il faut essayer de protéger ses mains au contact du sang de la victime et effectuer une compression sur la plaie. Quand ça s'arrête de saigner, il faut la nettoyer à l'eau savonneuse et désinfecter avec un produit antiseptique avant de la protéger avec un pansement. Je prends note. Docteur Kido! Et qu'est-ce qu'on doit faire s'il n'y a pas de blessure visible et que la personne ne peut pas nous répondre? Tu veux dire quand quelqu'un est inconscient? Ah, il faut vérifier si la personne respire et que ses voies ne sont pas obstruées. Si elle respire, il faut la basculer de côté. On appelle ça la position latérale de sécurité. Et si la personne ne respire plus? Un peu comme quand tu as failli te noyer à plusieurs reprises. Merci de me rappeler ces mauvais souvenirs. Mais oui, c'est important de le dire, si la personne ne respire plus, il faut alors la réanimer. Et pour ça, il faut pratiquer le bouche-à-bouche en alternant 3 compressions thoraciques pour 2 insufflations. Ah, perk! J'ai pas envie de t'embrasser. J'enverrai Mimi à la place. Ah, pourquoi forcément Mimi? Enfin, tant que tu n'appelles pas Ogremon... Je t'ai déstabilisé, on dirait. Attention, dernière situation. Quelqu'un s'étouffe, qu'est-ce que tu fais? Rien de plus simple. Il faut donner des claques dans le dos de la victime et répéter l'action 5 fois. Si ça ne fonctionne pas, on effectue 5 compressions abdominales en se plaçant derrière la personne, en l'enserrant, puis on répète les 2 actions si ce n'est toujours pas résolu. Enfin, si la victime finit par perdre connaissance, on applique la réanimation de tout à l'heure. Bravo! Gomamon te valide ton diplôme d'apprenti secouriste Digimon! Dis, je pourrais t'aider à réviser tes examens? Je suis plutôt bon! Tu me fais surtout stresser avec toutes ces questions. Saignement, noyade, étouffement... J'avais pas réellement pris conscience de tout ce qui pouvait nous arriver. Ah ! Oups, il a fini par perdre son sang-froid. Il est temps d'y aller. En tout cas, n'oubliez pas de toujours prévenir les secours avant toute chose pour chacune de ces situations et surtout éviter de prendre des risques inconsidérés pour ne pas se faire mal. En gros, ne prenez pas exemple sur nous. À la prochaine !